Par le Saint-Esprit au travers d'un serviteur de Dieu qui vient du bois de l'Angola, le prophète Sergio. Il y a un message particulier que le Seigneur est en train de transférer en ce moment à l'Église. Et ce message, c'est la maturité. Vous devez comprendre que Dieu ne fera jamais des personnes matures. Dieu n'utilisera jamais des hommes qui n'ont pas atteint une certaine maturité. Et pour que nous puissions expérimenter un réveil dans l'Église de Jésus-Christ pour ces derniers temps, il est très important que la prise de conscience soit notre partage dans le sens de la maturité. Cela veut dire que nous n'avons pas le choix. Que si nous voulons voir une nouvelle manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'Église de Jésus, nous avons besoin d'accepter de pouvoir grandir. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit, que quand j'étais enfant, je pensais et je parlais comme un enfant.
Quand je suis devenu grand, j'ai pris et revêtu l'aspect du grand et j'ai parlé comme Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui pour nous faire vivre le réveil dont il a fait la promesse. Alors je vous encourage, à travers cette capsule, de pouvoir comprendre que c'est une importance capitale d'atteindre la maturité spirituelle. Que Dieu vous bénisse et je crois que vous allez aussi atteindre la maturité spirituelle. Car c'est un processus naturel, spirituel, lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu. Shalom, c'était l'apôtre Jésus-Christ depuis Bruxelles. Dieu vous bénisse. Amen. Sécurité, manger ce que l'on veut, nous multiplier en toute sécurité. Il y a des choses qui vont mal. Tu dois respecter ce que le Seigneur dit. Parce que c'est ce qu'il a déclaré. Amen. Ce qui te garde, c'est ce que le Seigneur dit. C'est la parole de Dieu qui te garde. La parole qui t'analyse. C'est ce qui te maintient en vie, pas autre chose. Tu ne connais pas ce qui te revient de plein droit. Quelqu'un viendra te dire ce qui te revient de plein droit. Et lui va te dire. Donc toi tu vas accepter à cause de l'ignorance. Amen. Pourquoi Jésus dit, mon peuple est péri à manque de connaissance. L'alliance va te préserver de certaines situations que tu ne peux pas combattre. Il y a des démons que tu ne peux pas combattre. Amen. Tu as besoin d'être dans une alliance. Tu ne peux pas être à l'église. Tu as le Père et tu n'es pas en alliance avec cet homme. Amen. C'est pas possible. Ce que tu fais dans la maison de Dieu. Si toi-même tu ne recordes pas, tes enfants vont recorder. Voilà pourquoi il faut toujours faire prier. Tu as besoin de l'alliance. Tu as besoin de rentrer en alliance avec ton Père spirituel. Sérieusement. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit encore notre partage ce matin. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons continuer notre programme. Nous voulons bien continuer notre programme, encore une fois de plus. Alléluia. Nous voulons continuer notre programme ce matin. Nous sommes toujours sur le thème que nous avons débuté depuis le début de la semaine, appeler les choses à l'existence. Je crois que par la grâce de Dieu, chacun de nous est fortement édifié. Et ce matin, je vais continuer. Et cette fois-ci, je vais parler. Nous allons parler ce matin de réclamer. Réclamer des choses. Alléluia. Les choses que nous nommons, nous devons les réclamer. Alléluia. Bien. Quand on réclame quelque chose, il faut déjà comprendre que c'est quand est-ce peut-on réclamer quelque chose?
lorsqu'on parle de la réclamation, cela veut dire que on a déjà ici l'aspect de, on a déjà l'aspect de l'appartenance. Parce qu'en fait, je ne peux pas réclamer quelque chose qui ne m'appartient pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas réclamer quelque chose qui n'est pas moi. On ne réclame que ce qui nous appartient. Alléluia. Tu ne peux réclamer que ce qui est à toi. Le plus souvent, vous allez entendre des gens dans le domaine de la délivrance qui vont dire, non, voilà, il y a un esprit de réclamation sur ta vie et tout, il faudrait que tu pries beaucoup, il faudrait que tu coupes les liens, parce qu'il y a des esprits de réclamation, des esprits qui réclament. Mais ils réclament sur quelle base? Vous voyez? Parce qu'en réalité, il n'y a pas réclamation, il n'y a aucune réclamation, si au préalable, il n'y a pas appartenance. Donc, je réclame quelque chose, je peux réclamer quelque chose, parce que je suppose ou encore j'ai la confirmation que cette chose m'appartient. Voilà pourquoi je peux maintenant réclamer ça. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose ce matin, mais à chaque fois qu'on va parler de la réclamation, à chaque fois qu'on va, parler de réclamation, on va directement comprendre qu'on réclame parce qu'on a la conviction ou encore on a les éléments qui nous permettent de, justifier l'aspect de réclamer. Vous voyez, ça veut dire qu'on réclame parce qu'on sait que la chose est à nous, parce qu'on a, le témoignage ou bien on a les preuves que la chose est à nous. C'est important ce que je partage parce qu'en fait, tout ce que tu ne comprends pas, ce sera vraiment difficile que tu puisses vraiment le maîtriser. Vous voyez, si je vais réclamer, par exemple, une voiture dans une entreprise ou bien dans une société de vente de voitures, je vais réclamer une voiture, cela veut certainement dire que j'ai certainement payé, j'ai rempli les conditions qui vont m'amener à faire une réclamation. Donc, en fait, on ne peut pas dire ici là que non, on va réclamer si déjà nous n'avons pas les éléments qui nous permettent de comprendre et de savoir que ce que nous réclamons est à nous. Alléluia. Oh my God, my God, my God. C'est tellement fort. Alléluia. Je veux prendre un exemple. Tu ne peux pas, par exemple, aller réclamer l'enfant de quelqu'un. Tu ne peux pas aller réclamer, oh non, voilà, je suis venu réclamer tel enfant et on te demande, est-ce que c'est ton enfant? Tu dis non, ce n'est pas mon enfant. Mais tu vas réclamer cet enfant sur quelle base? Parce que si tu dois réclamer ton enfant, c'est parce que l'enfant t'appartient. Alléluia. Donc, lorsque l'on parle de la réclamation dans le processus de appeler les choses à l'existence, on parle, on réclame parce que on a déjà vu. Donc, on a vu. On les a nommés. Donc, on les a nommés. Hier, on a parlé de nommés. Et à partir de cet instant, on peut réclamer parce que nous avons les éléments qui nous attestent que ce que nous avons vu et que nous avons nommé, nous pouvons les obtenir. Alléluia. Donc, tu ne peux pas rentrer dans un processus de réclamation quand toi déjà, tu ne crois pas que tu peux obtenir. Maintenant, quel est l'élément qui te permet de les réclamer? Voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quel est l'élément qui te permet de les réclamer? Parce que tu as vu, tu as nommé. Maintenant, il faut réclamer.
Qu'est-ce qui te permet de réclamer? Qu'est-ce qui te permet de dire non, voilà, moi, Seigneur, je réclame telle chose ou bien je réclame telle chose, je réclame que telle situation soit arrangée pour moi. Qu'est-ce qui te permet de le faire? Qu'est-ce qui te donne la force? Qu'est-ce qui te rend légal et légitime devant Dieu, devant la création? C'est quoi? Bon, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs réponses qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir dans les Saintes Écritures, parce que vous devez comprendre que tout ce qui consiste à appeler les choses à leur existence, ça part de la nature de Dieu. Je vous ai démontré ça dans la parole de Dieu hier, dans le livre de Genèse. Je vous ai démontré comment Dieu n'avait fait qu'appeler les choses. Il n'a fait que les appeler et puis les choses ont commencé à se faire. Mais je vous ai dit aussi que ces choses existaient déjà en lui. En d'autres termes, Dieu les voyait en lui et il les a tout simplement appelées à l'existence. Maintenant, le processus là de les réclamer, c'est ça là qui est important dans les principes, dans le principe fondamental. Donc, je n'ai pas dit les principes, hein, j'ai dit le principe fondamental. Donc, nous sommes toujours dans le principe fondamental, nous sommes maintenant au niveau 3. Nous avons parlé du premier niveau du principe fondamental, c'est d'abord de pouvoir voir. Deuxième niveau du principe fondamental, c'est pouvoir les nommer ou encore les nommer. Troisième point du principe fondamental, maintenant nous sommes en train de parler de ça, c'est de pouvoir les réclamer. Donc, j'ai vu, je les ai nommés et je les réclame. Je vois, je nomme et je les réclame. Donc quand je dis nommer ici, cela veut dire tout simplement que tu les appelles, tu les désignes. Tu désignes la chose. Tu ne parles pas de manière aléatoire, mais tu parles de manière claire et bien distincte. Parce que quelqu'un qui veut quelque chose doit pouvoir savoir ce qu'il veut. Alléluia. Donc, tu vois, tu nommes la chose, donc tu désignes la chose, et après tu fais quoi? Tu la réclames. Donc, nous sommes au troisième point aujourd'hui. Le troisième point consiste à réclamer, les réclamer. Alléluia. Donc, tu dois être capable de réclamer ce que tu as vu, ce que tu as désigné. Maintenant, tu réclames ça sur quelle base? C'est là où je vais maintenant développer. Il faudrait que tu comprennes pourquoi et sur quelle base tu dois pouvoir réclamer ces choses. Alléluia. Amen. Donc, tu vas aller avec moi dans le livre. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Shalom, 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 shalom à papa François, maman Régine et ma fille. Que Dieu te bénisse, maman Bella. Évangéliste Bella depuis l'Allemagne, sois béni ce matin. Gloire à Dieu. Content de te voir connecté ce matin. Alléluia. Alors donc, nous allons aller dans le livre de Jean. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean, le Seigneur va dire quelque chose. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Écoutez bien. Il n'a pas spécifié la chose, hein. Il n'a pas dit que si vous demandez le pain, à mon nom, je le ferai. Il a dit, si vous demandez quelque chose, donc, si c'est ta Bible, tu vas encercler quelque chose. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Écoutez bien, il dit, vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Donc, réclamer la chose ici consiste à quoi? À demander avec insistance. Est-ce que vous comprenez? C'est demander avec insistance. Réclamer, c'est demander avec quoi? Insistance. Vous voyez, quand quelqu'un, par exemple, réclame quelque chose, le plus souvent, ce n'est pas en un seul coup. Voilà pourquoi on parle de réclamer. Parce que, en réalité, c'est comme quelqu'un qui a déjà été là, mais qui n'a pas eu satisfaction de ce qu'il a de ce qu'il cherchait. Ou bien, à défaut de ça, il a été satisfait partiellement. Donc, il vient pour réclamer la suite, bien le reste. Amen. Vous allez entendre le plus souvent parler pour toute réclamation, adressez-vous à. Pour toute réclamation, allez vers. C'est parce que tu as déjà été là, tu as fait quelque chose, mais effectivement, la chose ne t'a pas été faite dans sa totalité. Ou alors, il y a des manquements. Donc, tu viens pour pouvoir quoi? Réclamer, effectivement, pour qu'on puisse améliorer, arranger ou encore te satisfaire totalement. Jésus dit quelque chose ici de très important. Il dit, si vous demandez quelque chose, vous demandez quelque chose. Donc, il n'a pas désigné la chose. Et il a dit, si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Donc, ta réclamation se fait sous quelle base? Qu'est-ce qui te donne la force? Qu'est-ce qui te donne la légalité devant Dieu de pouvoir réclamer quelque chose? C'est parce que Jésus a dit, si tu demandes, si tu demandes quelque chose, en fait, c'est le mot que Jésus vient faire sortir ici, quelque chose. Alléluia. Il dit, je le ferai. Si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, à partir de là, je sais que je suis qualifié en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, en tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu. Je suis qualifié à demander. C'est comme par exemple, tu es avec ton enfant. Et si ton enfant te demande quelque chose, tu vas le faire. Aussi longtemps que ça rentre dans ce que l'enfant te demande. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quoi que tu vas aller demander, que tu vas réclamer. Tu ne peux pas aller réclamer la femme de quelqu'un. Tu ne peux pas réclamer le mari de quelqu'un. Tu ne peux pas réclamer l'enfant de quelqu'un. Tu ne peux pas réclamer la voiture de quelqu'un. Du moins devant Dieu, il n'y a que les sorciers qui le font. Il n'y a que les bandits qui font ce genre de choses. Tu vas réclamer auprès des sorciers que telle personne et telle personne se séparent. Ça, c'est la sorcellerie. Ça ne rentre pas dans le cadre du Seigneur. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler ici dans un aspect très, 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 très clair selon les lois et les principes de Dieu, où le Seigneur dit que tout ce que vous allez, si tu demandes quelque chose, je le ferai. Quand il dit, si tu demandes quelque chose, je le ferai, il n'est pas en train de parler ici de demander n'importe quoi, de demander ce qui va contre la loi de Dieu ou bien ce qui va contre les principes de Dieu. Il demande, il est en train d'expliquer ici, de pouvoir demander tout ce qui est constructif selon les principes et selon les principes de Dieu. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre ici que c'est le fait de pouvoir être sûr que Dieu, que le Seigneur a dit que si je demande quelque chose, en son nom, il va le faire. Ça me donne une force de pouvoir réclamer quand je suis dans un besoin. Je peux réclamer si je suis dans le besoin. Par exemple, j'ai besoin d'une paire de chaussures parce que je n'ai plus de chaussures. Je vais dire, Seigneur, je réclame. Je réclame la chaussure et je vois déjà la chaussure. Je dis, je réclame une chaussure de telle qualité. Je réclame telle chose. Alléluia. Je ne demande pas, mais je réclame. Alléluia. Parce que la réclamation, c'est demander avec insistance
pour une intervention. Du moins, ça, c'est comme ça que je comprends ça, en ce qui me concerne. Donc, je vais réclamer quelque chose qui me revient de plein droit, parce que les principes de Dieu et la loi de Dieu me l'autorisent. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons encore voir un autre passage. Amen. Jean chapitre 15, verset 7. Vous voyez ce qu'il dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Écoutez, hein, il dit encore, demandez ce que vous voudrez. Il ne spécifie pas. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais la condition ici, c'est qu'il dit, si vous demeurez, il y a une condition. La condition, c'est de pouvoir demeurer en lui. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Donc, tu ne peux pas tout simplement venir comme ça et puis dire, non, voilà, moi, je réclame. Ou bien, moi, je demande ceci. Je veux que Seigneur, je réclame que tu, je réclame tes choses. Je réclame, alors que tu ne demeures pas en lui, ni sa parole en toi. Donc, là, il y a un principe. Le principe, c'est quoi? La condition ici, c'est demeurer. Il faut demeurer. Vous voyez, l'aspect de la réclamation n'a pas beaucoup été expliqué au milieu des enfants de Dieu. L'aspect qui a beaucoup été expliqué aux enfants de Dieu, c'est demander. Mais en fait, l'aspect de réclamer est un droit légal et un droit légitime pour un enfant de Dieu. J'ai le droit de réclamer ma sécurité. Je dois réclamer la santé. Je dois réclamer, comment dire ça? Je dois réclamer, c'est mon droit de réclamer, l'assistance divine. Parce que le Seigneur a dit, il a été clair. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je ne peux pas sortir le matin et puis je me fais agresser. J'ai le devoir de réclamer, hein, de demander des explications, réclamer pourquoi tes choses. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as clairement dit ceci, 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 cela. Le seul problème que nous avons, c'est que la plupart ne demeurent pas dans sa présence ou encore nous ne laissons pas sa parole demeurer en nous. C'est la raison pour laquelle il y a la confusion. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a la confusion totale et puis il y a comme cette espèce de religiosité qui s'installe. Non, tu as le droit de réclamer. Imagine-toi, par exemple, tu vas au boulot chaque matin et puis à la fin du mois, tu te rends compte que ton salaire ne t'a pas été reversé comme cela se doit. Mais tu vas faire une réclamation. Pourquoi tu vas réclamer? Parce que tu es dans tes droits de réclamer. Donc la réclamation est un droit divin qu'un enfant de Dieu peut exercer lorsqu'il sent qu'il doit le faire. Bien sûr, on ne va pas réclamer dans le désordre, on ne réclame pas n'importe comment. Tu réclames sur la base du fait que tu trouves que là, Seigneur, voici ce que tu as dit, mais ce que je vois là, ce n'est pas normal. Donc je réclame que telle chose me soit donnée, telle chose me soit accordée, telle chose, telle chose, telle chose. Parce que je ne veux pas je ne veux pas rester dans les mêmes conditions, bien rester dans des situations qui ne sont pas le reflet de ce que toi tu dis. C'est normal que tu réclames. Alléluia. C'est normal que tu réclames. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que vous ne réclamez pas, je vais vous dire quelque chose, tout ce que vous ne réclamez pas, mais qui vous appartient, risquera de partir chez une autre personne. Je reprends. Tout ce que vous ne réclamez pas, mais qui vous appartient, est susceptible d'aller vers une autre personne. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment savoir. Surtout dans les choses, dans le monde de l'esprit. Imagine-toi, par exemple. Je prends un exemple simple. Imagine-toi, par exemple, que tu as postulé un boulot, tu as postulé un travail, tu as passé l'entretien, tout va bien. On t'a dit, d'accord, on va t'appeler
Écoute, c'est très bien, voilà, on est d'accord. Et puis après, il y a quelqu'un dans la même entreprise qui a son parent. Et cette personne-là va dire à son parent que non, voilà, écoute, moi j'ai mon frère, j'ai ma soeur, vraiment, je souhaiterais que vous puissiez lui donner ce poste. Toi, tu as déjà passé l'entretien. On t'a déjà dit que c'est bon, on va t'appeler. On ne t'a pas dit que c'est mauvais, on t'a dit c'est bon, on va vous appeler. Même si on ne t'a pas dit sur place qu'on vous embauche, mais on a dit qu'on va vous appeler. Peut-être dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Et une autre personne qui est dans la société vient et elle dit non. Elle s'approche du service de recrutement. Elle dit non, voilà, moi j'ai mon frère et tout. Bon, voilà, par affinité, est-ce que vous ne pouvez pas lui donner le poste? Bien, mais ça, c'est un danger. Hein? Si tu n'es pas fort pour réclamer dans la prière, pour réclamer ce qui te revient de plein droit, tu vas perdre ce boulot, tu vas perdre cette offre d'emploi. Ah ouais, c'est là où la réclamation agit. Parce que, imagine-toi, par exemple, quelqu'un va venir, te dit, OK, je veux faire telle chose pour toi. La personne va dire, je veux faire. La personne va, ça dit que la personne va te donner des garanties. Maintenant, après, tu vois que la personne n'a pas pu faire parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans... Cela veut dire que l'ennemi a plusieurs manières de pouvoir amener la confusion. C'est là où la légalité de la réclamation prend place. Et ça, lorsque Dieu regarde et il sait que tu as raison, dans ce que tu es en train de réclamer, je te dis, on n'aura pas le choix que de pouvoir te renouer ce qui t'appartient. Parce que c'est pour toi. Même s'ils usent de quoi, de n'importe quelle forme de manipulation, ils vont peut-être essayer d'avoir un semblant de succès, mais ça ne mettra pas du temps. Tu reviendras toujours parce que tu vas continuer à réclamer. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Et pour mieux comprendre la profondeur de cette parole, il faut aller un peu plus bas. Alors le Seigneur dit, car on ouvre à celui qui frappe, on ne frappe pas une fois. Vous voyez, on frappe, on peut frapper 2, 3, 4 fois, 5 fois. Et c'est lui qui cherche, il trouve. Donc, c'est en fait ici des formes de quoi? De demandes répétées qui deviennent des réclamations. Sauf que ici, la particularité de la réclamation, c'est que tu as déjà nommé la chose. Vous voyez? Tu as déjà nommé la chose, tu as déjà vu et tu as désigné la chose que tu réclames. Parce que tu ne peux pas venir dire comme ça, voilà, Seigneur, je réclame ceci, je réclame cela. Non. Je réclame, Seigneur, je réclame ma vie. Non, ce n'est pas ça, tu désignes. Alléluia. Parce que tu dois voir ce que tu réclames. Tu ne peux pas aller dans un magasin et puis tu vas dire, je suis venu réclamer mes choses. On va te dire, c'est quoi? On va te demander. Qu'est-ce que vous êtes venu réclamer? Oh, mes choses, quelles sont vos choses? Désignez-les. Et on va regarder en machine si effectivement vous êtes dans vos droits afin qu'on puisse satisfaire votre demande. Vous voyez, c'est un principe très, très, très efficace. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois femme au foyer, que tu sois directeur d'entreprise, que tu sois papa, maman, marié, célibataire, le principe de la réclamation est un droit légal que les enfants de Dieu doivent pouvoir exercer lorsqu'ils se sentent peut-être lésés sur une situation que la parole de Dieu n'atteste pas. Alléluia. Je peux vous choquer, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses. Je vais par exemple vous donner un exemple. Quand vous allez lire le livre de 3 Jean,
Hein, 3 Jean, on est dans le livre de 3 Jean. Alléluia. Nous allons prier tout à l'heure. C'est très important ce que je partage avec vous parce que je veux que vous puissiez être efficace lorsque vous allez prier. Voilà. Regardez, imaginez-vous un peu, lorsque vous êtes dans le livre de 3 Jean. 3 Jean, le verset 2, parce que ça n'a qu'un seul chapitre. 3 Jean, le verset 2, il dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Alléluia. Mon souhait est que tu prospères. À tous égards. Il n'a pas dit je souhaite que tu prospères dans tel domaine. Il a dit à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Donc, je souhaite non seulement que tu prospères à tous égards, mais je souhaite aussi que tu sois en bonne santé. Amen. Bon, bien-aimé dans le Seigneur. Si, par exemple, tu es malade, qu'est-ce qui peut t'amener à réclamer la guérison par rapport à la maladie qui t'embête? Tu as un verset là qui est clair. Je réclame la guérison parce que le souhait de Dieu est que moi, je sois en bonne santé. Donc, je réclame devant le trône de Dieu, devant la légalité de la parole de Dieu qui est à moi, devant l'autorité de sa parole, je réclame. Parce qu'il te faut des éléments pour réclamer. Tu ne vas pas seulement comme ça pour réclamer. Donc, tu ne peux pas réclamer si tu n'as pas d'appui. Il te faut des appuis. Tu t'appuies sur quoi pour faire une réclamation? Alléluia. Je réclame que je sois fécond parce que tu as dit que nous devons nous multiplier. Je refuse d'être dans un foyer où je n'enfante pas. Je réclame la fécondité. Je réclame. Si par exemple, toi tu as décidé de te marier, ou bien si tu n'as pas décidé de te marier, si tu veux être comme Moïse, comment on l'appelle, comme Paul, ça c'est ton affaire. Voilà. Mais si tu as décidé, par exemple, de pouvoir fonder une famille, parce que toi, tu ne veux pas avoir le ministère de l'Eunuque, de Paul, tu n'es pas un Nazaréen, tu veux avoir une famille, tu as le devoir, si tu as atteint un certain âge, bien tu es, par exemple, rentré dans une relation qui n'a pas marché, et puis après, il y a eu des problèmes, tu as le devoir de réclamer auprès du Seigneur de te mettre en place quelqu'un ou bien quelqu'une de bien. En fait, on réclame tout ce qui nous vient, tout ce qui rentre dans nos droits. C'est un droit. Vous voyez, la réclamation, en fait, c'est un droit. J'ai le droit de réclamer ce qui me revient. Mais si ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le droit de réclamer ce qui n'est pas moi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là en ce qui concerne l'exhortation avant de prendre quelques points de prière. Mais je vais tout simplement recevoir des derniers commentaires par rapport à tout ce qui a été dit, ce que tu as compris. Je t'ai donné deux passages ce matin. Je t'ai donné un passage dans 3 Jean, verset 2. Je t'ai donné trois passages. Un passage dans Jean 15. Je t'ai donné un passage dans Jean 14. Alléluia. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs passages que je peux donner. Mais nous sommes en train de rentrer dans les 40 minutes. Donc, nous avons besoin de pouvoir prendre quelques points de prière ce matin. Laisse-moi un commentaire par rapport à ce que tu as compris. Si tu as compris le principe de la réclamation, j'ai expliqué que le principe de la réclamation consistait à pouvoir s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ce qui te donne la légalité. C'est ce qui te donne la légalité de la réclamation. Donc, tu réclames parce que c'est ton droit de réclamer quelque chose qui te revient et que tu ne vois pas, que tu ne possèdes pas, alors que ça doit te revenir. C'est ton droit de pouvoir faire une réclamation auprès du Seigneur, auprès
du royaume. C'est ton devoir, c'est ton, pardon, c'est ton droit. Ce n'est pas ton devoir, c'est ton droit. C'est le devoir de Dieu de pouvoir répondre à ce droit-là que tu exerces. Alléluia. Alléluia, alléluia. Glory to God. Béni sois-tu, Seigneur, je te rends grâce ce matin. Merci pour le droit à la réclamation. Ma santo robo chanderebe. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, nous te bénissons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu peux commencer maintenant à réclamer ce qui te revient de plein droit. Tu peux commencer à réclamer ce que tu penses te revenir de plein droit. Alléluia. Mando bosunte rebeka taraba. Kabro sunte rebeka ntoloboseya. Rebo sataka yasunte kendaraba. Lebroso kosakata chandelebe. Mandolobo sekerebe chandolobo. Élève ta voix ce matin maintenant au nom puissant de Jésus. Commence à réclamer ce que l'ennemi a pris. Commence à réclamer ce que tu ne vois pas depuis là, mais qui était censé être là. Il y a des choses que tu étais censé avoir, mais l'ennemi est venu dans sa malice et a pris. Et il t'a fait comprendre que c'est normal que tu restes comme ça. Ce matin, élève ta voix et réclame devant le trône. Réclame devant Dieu. Alléluia. Ma santaraba. Comme quelqu'un réclame son salaire ou réclame ce qui lui revient plein droit. Alléluia. Ce matin, commence à réclamer. Ma santorobo shekaraba. Heya mandalaba kabaraba suntakaya. Rebobo soto koshinderebe. Réclame. Bien-aimé, tu peux réclamer la bénédiction à cause du fait que tu as posé un acte que Dieu dit qu'il va dire, que Dieu dit que si tu fais ça, je vais te bénir. Si tu fais ceci, je vais te bénir. Si tu n'as pas vu la bénédiction, ça veut dire que tu dois la réclamer. Écoute-moi, bien-aimé, ce matin, c'est terrible. Réclame. Si tu as accepté de rentrer dans le ministère, de suivre le Seigneur, si tu as accepté de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu est claire. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, Seigneur, tu as dit que tu me donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je réclame la manifestation des enfants de Dieu. Je réclame la grâce qui opère dans la vie des enfants de Dieu. Je réclame la faveur qui marche avec les enfants de Dieu. Alléluia. Je réclame la connaissance, alléluia, qui opère, avec laquelle les enfants de Dieu opèrent. Je réclame l'habilité avec laquelle les enfants de Dieu opèrent. Écoute, ce matin, commence à réclamer. Il y a beaucoup de choses que tu dois réclamer. Je réclame, Seigneur, l'abondance. Je réclame, il y a tellement de choses. Élève ta voix et voilà. Commence à réclamer parce que ça te revient de pleine joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réclame au nom puissant de Jésus. Kabro siante rebe shandaraba. Yakatabro zinderebe katabro sataraba. Rebobo sepreketarama shandolobo. Ekabayama sukalaba zwandelebe. Lebandolobo suanterebe kaba. Liblo ziandelebe kantoria bandelebe. Rebobo satariandelebe kabaria bazandelebe. Réclame ce matin. Yeke sakataraba chandelebe. Leb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 e. Zwanderebe kataria baba santarababa zwandeketa. Rekata. Tu peux réclamer auprès du Père. Tu peux réclamer auprès de Jésus. Tu peux réclamer auprès du Saint-Esprit. Alléluia. Ma santa kasukerebe. Rabababa zandobo sunderebe kasuta. Réclame ton salaire, réclame la guérison. Ma santa rabazuanderebe kantarabasanderebe. Au nom puissant de Jésus. Kazuanderebe kantarabasunterebe. Kebro suante, leproskidaraba. Zaya.
au nom de Jésus. Mosinde Rebekaya, le bébé Shekerebe va réclamer ce matin au nom de Jésus-Christ. Maradosa, Cabradosa, Cabradosa, réclame la victoire au nom de Jésus. Réclame que justice te soit faite au nom puissant de Jésus. Masanterebe, Rebobo, Sataraba, Shinderebe, réclame la guérison ce matin au nom de Jésus. Masatarabo, Sokorobo, Shandaraba, réclame l'intervention divine. Mayanda, Sandaraba, par rapport à une situation précise, réclame que Dieu vienne intervenir. Zunderebe, Kantarabo, Sande, Lebro, Soto, Kozakaya. Il a dit que vous allez m'invoquer et vous allez et je vais me manifester. Vous allez m'invoquer et je vais me manifester. Tu l'as invoqué dans une situation. Tu as invoqué Dieu. Tu as demandé une intervention de Dieu dans une situation particulière et tu ne l'as pas vu. Réclame sur la base de sa parole qu'il vienne intervenir. Oui, bien aimé, la réclamation est différente de demander tout simplement. C'est un droit parce qu'il a dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur et ne se laisse pas trouver, réclame qu'il se montre. Réclame qu'il se montre. Mosoko Kakashanda, Lebosa, Zibrando Lobo, ce matin, réclame. Si Dieu t'a dit qu'il va te donner une maison, réclame la maison. Si Dieu t'a dit que cette année, tu dois te marier, réclame la date. La date, il te doit te donner une date. Et si c'est que tu dis, oh non, voilà, je dois me battre d'abord pour trouver les finances. Non, dis, réclame. Parce que si tu ne réclames pas le programme, bien aimé dans le Seigneur, ce sera compliqué. Tu seras frustré. Réclame. Notre Dieu est un Dieu, de planification. Il ne fait rien. Il ne fait rien au hasard. Il ne fait pas des choses de manière désordonnée. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit qu'il fait toutes choses bonnes, belles en son temps. Parce qu'il a, il a un programme bien détaillé. C'est-à-dire que Dieu va te donner un programme. Il va te dire, je veux que tu sois là pendant tant de temps. Je veux que tu sois ici pendant tant de jours. Je veux que tu fasses ça là pendant tant de temps. Parce que c'est un Dieu de la programmation. Alléluia. Élève ta voix et réclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réclame. Réclame. Si tu n'enfantes pas, réclame la fécondité au nom de Jésus. Si ton mari a des problèmes, réclame l'intervention de Dieu par rapport à cela, au nom de Jésus. Lebrosa katamazuti kabaya. Élève la voix ce matin et parle à Dieu. Masikorobo shanderebe. Lebrosa takaya. Ribozundelebe kasintorobo. Réclame les finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es quelqu'un qui paye ta dîme et tu es toujours dans le problème. Réclame la résolution de tout ce qui est problème dans le domaine des finances. Parce qu'il a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux et si je ne déverserai pas sur vous la bénédiction. Et il a dit qu'il va menacer celui qui dévore. Donc, cela veut dire que tu as besoin de réclamer que Dieu vienne menacer celui qui dévore dans ta vie. Il y a plusieurs choses qui dévorent. Les maladies peuvent être des dévoreurs. Les problèmes de famille, les problèmes de santé, les problèmes de facturation bizarre, les taxes qui n'ont pas de sens. Tout ça là, ce sont des dévoreurs, des teignes que le diable envoie pour venir détruire, pour venir récupérer ce que tu as comme richesse que le Seigneur met entre tes mains. Ce matin, réclame au nom de Jésus une intervention pour neutraliser et enlever toutes ces choses. Que tous ceux qui gèrent ton dossier puissent maintenant se remémorer qu'ils se sont trompés. Ce matin, réclame ce qui te revient de plein droit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réclame la paix, réclame la santé, réclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'ouverture des portes. Oui, parce que tu as atteint un certain niveau, tu as besoin que certaines portes soient ouvertes pour toi. Les portes n'ont pas le droit d'être fermées. Réclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma santa rabo, shekerebe rabba. Par rapport à ton ministère, réclame la manifestation divine. À cause de ton ministère, réclame la faveur de Dieu. Ce matin,
au nom de Jésus. Nous sommes dans la réclamation. Ce que tu as nommé, tu dois pouvoir réclamer cela. Au nom de Jésus. Mandelebe, Zukarabaya, Santaribolotaya, Shabalaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Réclame la bénédiction à cause du fait que Dieu t'a accordé une nouvelle année. Réclame la bénédiction parce que Dieu a permis de pouvoir encore une fois de plus voir ce matin. Il a dit dans sa parole que ne vous inquiétez de rien, car chaque jour, le lendemain prendra soin de lui-même. C'est ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que le lendemain a déjà été instruit de pouvoir te donner certaines choses. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois réclamer ce que le lendemain a reçu de la part de Dieu légalement. Te revenant. C'est-à-dire que ce sont des choses que Dieu a préparées pour toi, hein, et que tu dois pouvoir obtenir et vivre et avoir durant cette journée. Réclame ça. Ça peut être des contacts, ça peut être des rencontres, ça peut être des finances, ça peut être des révélations par rapport à sa parole. Réclame tout ce qui a été instruit par le ciel concernant cette journée pour toi que tu dois forcément avoir. Réclame ces choses au nom de Jésus, que ces choses viennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, élève la voix et prie. Réclame la paix, réclame la délivrance, réclame l'élévation, réclame une promotion parce que tu es resté là pendant longtemps. La Bible dit que vous êtes resté à cet endroit pendant longtemps. Levez-vous maintenant et à marcher. Donc, tu dois réclamer. Si peut-être tu es resté à terre pendant plusieurs années, ton ministère est resté à terre pendant plusieurs années, tu n'as pas eu la visibilité pendant plusieurs années, tu as besoin de réclamer maintenant. Au nom de Jésus, Kaborosintaraba. Au nom puissant de Jésus-Christ, Mekedabrosandelebe. Réclame, 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 réclame. Masatakaya. Zunda la baba, dis à Dieu, Seigneur, je suis venu réclamer telle chose, souviens-toi, peut-être que tu as béni un homme de Dieu, et l'homme de Dieu t'a dit, sois béni et que l'Éternel te donne ceci, et tu n'as pas vu cela, parle à Dieu, réclame, dis à Dieu, ton serviteur avait dit que je dois recevoir ceci, Seigneur, jusqu'alors il n'y a rien, c'est où? Réclame, parce qu'il a dit qu'il confirme ce que prédisent ses serviteurs. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois réclamer parce que ça te revient de plein droit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Makasantarabo Shandaraba Sikataya, Lobo Sakata, Lebre Kamadou Sikaya. Au nom de Jésus, réclame l'intervention de Dieu dans ta vie. Réclame. Je n'ai pas dit demande, je dis réclame. Au nom de Jésus, Zekeleben. O satakaya bazuandelebe katusaya lebresi kolobo ayamandelebe. Ce matin, élève la voix et parle à Dieu et réclame au nom de Jésus. Linulubusaya ntalabusaya kata. Alléluia. Shekerebrekaba maradouskita. Réclame ce matin que cette situation s'arrête. Oh, réclame que ce célibat s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ, réclame que ce chômage s'arrête, réclame que cette maladie parte, réclame la guérison, réclame ce matin au nom de Jésus. Lekesakabosa, réclame cette promotion, réclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lesuntekeyaba, Mazakataya. Ce n'est pas normal que les autres avancent et toi tu restes au même endroit. Réclame l'avancement au nom de Jésus. Zundelebekabasutalababa. Oh, mon chèque, si brando souprande levé. Au nom puissant de Jésus, ce matin, Seigneur. Makataya basu kalabaya. Oh, sekerebecha, mandiriaba. Réclame, 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 réclame. Réclame, bien-aimé dans le Seigneur. Mazata labo sikerebebe. Alléluia. Maya santelebeya, zuandelebe. Réclame l'intervention. Réclame la manifestation. Réclame ce matin. Alléluia. Masuka takaya. Alors que je vais sortir ce matin, je réclame ceci, je réclame cela, je réclame. Bien-aimé ce matin, il faut réclamer. Réclame, réclame, réclame. Tu n'es pas dans le Seigneur pour que tu encaisses seulement. Il y a des choses que tu dois réclamer. Alléluia. Alléluia. Shakata musukala baba. Makada. Ça n'a rien à voir avec demander.
nous parlons des réclamations. Lorsque tu pars pour réclamer quelque chose, tu ne dis pas « je suis venu demander ». Tu dis « je suis venu réclamer ». Donc, ce matin, c'est opération réclamation devant le trône. Réclame ta bénédiction. Réclame l'intervention de Dieu dans ton ministère. Réclame l'intervention de Dieu dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Réclame la sagesse de Dieu, la supériorité intellectuelle sur tes enfants. Oh, ce n'est pas normal que l'enfant d'un féticheur soit plus intelligent que l'enfant d'un pasteur ou bien l'enfant de quelqu'un qui prie. Réclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin la supériorité intellectuelle. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel étaient animés d'un esprit supérieur à tous ceux qui mangeaient et qui habitaient dans le royaume. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Et eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il y avait un enfant qu'on appelait Daniel qui avait l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas de la terre. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois réclamer. C'est terminé le fait de rester là comme un mendiant et tu passes ton temps à demander. Non, un enfant de Dieu réclame. Lorsque ton enfant a faim, il va réclamer la nourriture. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque ton enfant a besoin de voir ses chaussures, et ses chaussures sont gaspillées, il va réclamer une nouvelle paire de chaussures. Réclame, ça te revient de plein droit. C'est ton devoir, c'est ton droit de réclamer auprès de ton père, auprès de ta mère, auprès de tes parents. C'est ton droit de réclamer ce qui te revient de plein droit. Si tu ne négocies pas ça, là, on ne négocie pas, on réclame. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de demander en ce qui concerne la guérison parce que Dieu a dit qu'il veut que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire que si tu es malade, c'est le diable qui est derrière. Réclame la guérison que Dieu a déjà préparée. Il a dit la guérison est le pain des enfants. Cela veut dire que si j'ai faim, j'ai besoin de prendre le pain qui a été préparé pour moi. Je vais réclamer cela. Si on refuse de me donner le pain, je vais réclamer le pain que j'ai demandé. Ce matin, c'est la réclamation. Réclame, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, les soukata, madoso, berekemandasi katazi brandele beshada. Alléluia, mazakatabaya. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, ce matin. Je te bénis, je te rends toute la gloire ce matin, Seigneur. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Lebro santo si karabazwande rebeka tousaya. Le supra kata mazoko lobo si brende rebeka. Oh, pendant que je suis en train de parler, j'entends les démons dire, maintenant qu'ils savent qu'ils ont le droit de réclamer, comment nous allons faire? Je prie ce matin et je déclare que tout ce que le diable a volé dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu réclames qu'il y ait une avalanche de messagers de Dieu envoyés pour récupérer tout ce que tu as commencé à réclamer depuis que nous avons commencé à parler. Que l'ennemi qui s'est accaparé de ce qui te revient soit dépouillé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Mosanta Kiborogo, Brendekeben, Zubranda Sukuluka, Agadazia, au nom de Jésus, Masente Kedabroso Koparagadia, Mandelebe. Oh, Santelebea, Makada, Lebelege Duandilia Manto Supregede. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci ce matin, merci Seigneur pour la restauration, merci ce matin Seigneur, Makade Brekoto Sobrondelebe. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Shandalabaya, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu ce matin, nous bénissons son nom, Amen, 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 Amen. Bien-aimé, tu as toute la journée pour réclamer. Pendant des heures de prière que tu as, réclame certaines choses qui tu penses qu'il faudrait que tu puisses les avoir. Ce n'est pas un péché. Je ne t'ai pas dit de demander, je t'ai demandé de réclamer. Ou tu fais une demande de réclamation, parce que quelquefois on parle de demande de réclamation. Alléluia. Donc tu réclames parce que ça te revient de plein droit. Le Seigneur va te répondre. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et on appelle, vous savez,
Si dans le monde des ténèbres, ils font des réclamations, hein, et la raison pour laquelle ils font des réclamations, la plupart du temps, c'est parce que ils pensent qu'ils sont dans le droit de pouvoir le faire. C'est ce que toi aussi tu dois savoir. Toi aussi tu dois savoir que tu es dans le droit de pouvoir réclamer des choses auprès de Dieu. Parce que tu es dans les droits. Jésus t'en a donné les droits. Alléluia. Il y a des choses qui sont là dans ta vie parce que tu n'as pas exercé, parce que tu n'as pas réclamé. Donc à cause du fait que tu n'as pas réclamé que ces choses-là puissent être, que ces problèmes soient traités, alors ces problèmes sont présents. Mais quand tu réclames une intervention, amen, tu réclames qu'on vienne intervenir. En ce moment, tu verras ces choses partir. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Donc, c'est bien de prier, d'accord. C'est bien de demander, d'accord. Mais il ne faut pas aussi oublier de réclamer. Parce qu'il y a des choses qui viendront, pas parce que tu as demandé, mais parce que tu as réclamé. Vous voyez, par exemple, imaginez-vous que vous allez dans un magasin et vous allez faire des courses. Et lorsque vous allez faire des courses, on vous sort une facture, et vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez payé plus que vous n'avez. Le coût de la facture est supérieur aux produits ou aux éléments que vous avez achetés. Vous repartez alors et puis vous présentez votre facture. Vous présentez et vous dites, voilà, vous m'avez facturé tant alors que j'étais supposé payer tant. Voici ce que j'ai acheté. Sans discuter, la boutique en question sera dans le devoir, pardon, de vous payer de vous payer ce que vous avez réclamé, parce que ça vous revient de plein droit. Vous avez travaillé quelque part et puis on vous a dit, par exemple, que voici, si vous travaillez ici, voici les avantages, voici les avantages, voici les avantages. Et vous ne les avez pas reçus, par contre, les autres les ont reçus. Vous êtes dans le droit d'aller réclamer. Est-ce que vous voyez? Pas d'aller demander, mais vous allez réclamer. Parce que c'est un droit, ça, c'est dans votre contrat. Ça, c'est stipulé, c'est clair. Alléluia. Donc, même si tu es un homme de Dieu, même si tu es un chef d'entreprise, lorsque tu travailles avec le Seigneur et que tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, si tu ne vois pas les choses là se manifester, ce n'est pas forcément que Dieu n'a pas répondu. Ça peut être le fait que tu n'as pas exercé une réclamation. Dieu peut avoir répondu et puis l'ennemi est en train de bloquer. Vous voyez, dans la plupart des temps, c'est souvent ça. Et je crois que sur 10 prières que quelqu'un fera, la plupart des temps, nous pouvons retrouver six exaucements qui ne se manifestent pas à cause du fait que il y a une pression qui est exercée par l'ennemi, ou encore l'ennemi peut-être subtil vole la bénédiction, et puis la personne pense que peut-être c'est Dieu qui n'agit pas. Non, Dieu agit. Et vous savez, le diable, c'est un voleur, c'est son ministère. La Bible dit qu'il vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Donc, c'est son ministère, il le fera toujours. C'est la raison pour laquelle toi, tu dois pouvoir réclamer. Parce que quand tu exerces une réclamation, on va faire quoi? On va commencer à chercher où ça se trouve. Nous reconnaissons avoir rendu tel service, nous reconnaissons avoir fait telle chose. Mais comment ça se fait que la personne vient encore réclamer? On va alors regarder la chaîne d'évolution du processus et à partir de ce moment, on va se retrouver peut-être que non, c'est à tel endroit que ça coince. Et là, on va te répondre. Donc, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est comme ça que ça se passe aussi lorsque tu exerces ton droit de réclamation. Il faudrait que tu réclames, il y a des choses que tu dois réclamer, comme la guérison, tu dois réclamer ça, tu dois réclamer. La paix, tu dois réclamer la santé, tu dois réclamer l'assistance, tu dois réclamer l'assistance. Ça, c'est obligé, c'est obligatoire. La parole de Dieu dit que je n'ai jamais vu le juste manquer de pain, ni ses descendants mendier. Cela veut dire qu'il y a des choses que tu dois réclamer qui sont des principes, qui sont. Des principes de Dieu pour tous ceux qui ont accepté de pouvoir marcher avec lui. Voilà pourquoi il n'y a rien de meilleur sur la terre, il n'y a rien de meilleur dans le monde que de pouvoir marcher avec le Seigneur. Alléluia. Mais il faut exercer aussi les prières des réclamations. Tu dois réclamer des choses auprès du Père. Amen.
C'est bien de demander, mais réclame aussi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si tu as été béni ce matin par cette exhortation, par ces différents points, je vais tout simplement te demander de nous laisser un commentaire. N'oublie pas, pour tous ceux qui sont sur notre page, notre chaîne 2e TV, n'oubliez pas de mettre un pouce. Amen. Le pouce, n'oubliez pas de mettre un pouce. Le pouce, j'aime. Amen. Et je vous donne rendez-vous demain. Alléluia. Et nous allons continuer. Demain sera notre dernier thème sur appeler les choses à l'existence. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. C'était un plaisir encore de partager avec toi ce matin cette excellente parole. Amen. Et t'encourager à réclamer. Réclame. Alléluia. Arrête de te plaindre, mais il faut réclamer. Il y a des choses que tu vas obtenir qui vont arriver parce que tu auras réclamé ces choses. Donc, trois choses qu'il faut comprendre dans le principe fondamental. Première chose, dans le principe fondamental, il faut voir. Deuxième chose, il faut les désigner. Troisième chose, il faut les réclamer. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Moi, je vais te donner rendez-vous demain par la grâce du Seigneur. Si tu as été béni par ce message, laisse-nous un commentaire et nous allons nous retrouver demain. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Nous avons été puissamment visités ce matin par le Saint-Esprit au travers d'un serviteur de Dieu qui vient du roi de l'Angola, le prophète Sergio. Il y a un message particulier que le Seigneur est en train de transférer en ce moment à l'Église. Et ce message, c'est la maturité. Vous devez comprendre que Dieu n'utilisera jamais des personnes matures. Dieu n'utilisera jamais des hommes qui n'ont pas atteint une certaine maturité. Et pour que nous puissions expérimenter un réveil dans l'Église de Jésus-Christ pour ces derniers temps, il est très important que la prise de conscience soit notre partage dans le sens de la maturité. Cela veut dire que nous n'avons pas le choix. Et si nous voulons voir une nouvelle manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'Église de Jésus, nous avons besoin d'accepter de pouvoir grandir. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit, que quand j'étais enfant, je pensais et je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, j'ai pris et revêtu l'aspect du grand et j'ai parlé comme un grand. Et c'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui pour nous faire vivre le réveil dont il a fait la promesse. Alors je vous encourage, à travers cette capsule, de pouvoir comprendre que c'est une importance capitale d'atteindre la maturité spirituelle. Que Dieu vous bénisse et je crois que vous allez aussi atteindre la maturité spirituelle. Car c'est un processus naturel, spirituel, lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu. Shalom, c'était l'apôtre Jésus-Christ depuis Bruxelles. Dieu vous bénisse. Amen. Over the mountains and the sea,